ramollir les feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Pour ramollir ces feuilles, on les met dans de l'eau froide. Surtout pas chaude. Non, sinon elles se dissoudraient. Blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre semoule. Ça développe, hein, ça prend du volume, hein, oui. Plus on les travaille. Et ça, c'est vrai que ça fait des crèmes qui sont complètement différentes. Hein. Plus c'est travaillé, plus la crème sera onctueuse. Oui. Versez un peu d'eau dans le fond de la casserole avec la crème liquide, le lait écrémé, grattez les gousses de vanille, incorporez les graines, portez à ébullition et versez petit à petit dans les jaunes blanchis en mélangeant. Reversez sur le restant de lait, cuire lentement sur feu doux et mélangez jusqu'à ce que la crème épaississe. Alors, tu l'as retirée du feu, là, parce qu'elle était presque cuite. Hein. Elle était presque cuite. Et elle a continué à cuire, et maintenant, elle est à bonne onctuosité. Elle est parfaite. Donc, le conseil, c'est de dire de retirer un petit peu avant que ça nappe de trop. Oui. Pressez les feuilles de gélatine, les incorporer dans la crème anglaise, laissez refroidir en remuant toutes les 2 à 3 minutes, avant de réserver au réfrigérateur. Versez le jus de citron sur le miel, portez à ébullition, mélangez, délayez la farine de maïs avec un peu d'eau froide, incorporez dans le miel et éteindre le feu. Versez sur les dattes séchées et laissez refroidir avant de réserver au réfrigérateur. Répartir les segments de pamplemousse et d'orange dans les coupes, mettre une datte sur le côté et couvrir de la nage. Émulsionnez la crème anglaise bien froide et versez sur chaque coupe. Saupoudrez de pistaches concassées, de quelques pignons de pin colorés et de zestes d'orange râpés.